Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Lorraine et je suis la référente cursus pédagogique du parcours Solution Architect proposé par AWS. L'objectif d'aujourd'hui, comprendre ce qu'est réellement un Solution Architect. Vous avez déjà probablement entendu parler de ce rôle, mais vous ne savez pas exactement en quoi consiste son travail. À ce jour, ce nouveau poste en pleine expansion recense une hausse de plus de 30% sur les 5 dernières années. Mission, compétences attendues, salaire, on vous dit tout. Les missions du Solution Architect se divisent en trois grandes parties. La compréhension, la conception et l'intégration. Lorsque le Solution Architect se voit attribuer un nouveau projet, il devra alors organiser et séparer son travail en différentes tâches. Par exemple, le client pourra préciser ses attentes vis-à-vis de la plateforme cible désirée pour le projet, pour sa compagnie, et le Solution Architect devra prendre en compte tous ces critères afin de cadrer l'environnement du projet. La première étape consiste à étudier et comprendre le contexte dans lequel s'inscrit le projet. Cela va notamment lui permettre de prendre en compte l'environnement de production de celui-ci. Cette étape permettra de faciliter la clarté du projet car les perceptions générales de communication autour de celui-ci permettront ensuite de délimiter son cadre. Ensuite, le Solution Architect devra établir un plan solution, c'est-à-dire qu'il doit concevoir les grandes étapes de résolution de la problématique du projet. Enfin, il doit savoir s'adapter aux contraintes multiples de l'entreprise. Elles sont à la fois managériales, techniques et business. En effet, au quotidien, le Solution Architect devra composer avec les différents profils des équipes à gérer, les outils à sa disposition et le budget alloué au projet. Maintenant que vous savez quels sont les objectifs du Solution Architect, vous vous demandez sans doute comment il parvient à les atteindre. Une seule réponse, des compétences pointues sur les trois axes suivants. La compréhension des besoins clients, l'adaptabilité aux technologies de chaque entreprise et un bon sens de la communication et de l'organisation. La première chose que le Solution Architect doit faire lorsqu'il se voit attribuer un nouveau projet est d'écouter les besoins de son client et les comprendre pour pouvoir obtenir une vision globale du projet. Comme vous pouvez vous y attendre, les nouvelles technologies restent au centre de préoccupation du Solution Architect. D'abord car chaque entreprise possède des spécificités particulières au sein de son environnement de développement. Le Solution Architect doit être en mesure de s'adapter à ces outils. Il doit également se former continuellement afin de savoir gérer l'ensemble des systèmes d'exploitation en perpétuelle évolution. Enfin, la communication et l'organisation sont des notions essentielles pour pouvoir diriger et accompagner les différents profils qui feront partie de son équipe. Ses capacités d'organisation lui assureront que les tâches soient bien réparties entre les différents membres de l'équipe et que les contraintes de temps soient respectées. Comme vous pouvez vous en douter, le salaire d'un Solution Architect dépend de son nombre d'années d'expérience. Mais nous pouvons quand même mentionner quelques nombres. La moyenne salariale annuelle d'un Solution Architect se situe autour de 62 000 euros. En réalité, ce chiffre pourra évoluer entre 45 000 et 87 000 euros par an pour les professionnels les plus aguerris. Ce métier vous intéresse ? Vous souhaitez vous former sur AWS et vous ouvrir un monde d'opportunités en décrochant un poste de Solution Architect ? Data Scientist ouvre ses portes à toutes les personnes possédant un niveau suffisant en anglais pour rejoindre la formation. Au travers du programme intensif de préparation à la certification AWS SAA, vous pourrez acquérir les connaissances et expérimentations nécessaires sur 4 jours. Ce programme inclut également la préparation à la certification AWS Cloud Practitioner. Je vous avais promis un bonus à la fin de cette vidéo, je ne vous ai pas oublié. Je vous ai préparé une fiche métier pour être définitivement incollable sur le rôle du Solution Architect. Pour la recevoir, n'hésitez pas à commenter cette vidéo. Pour avoir plus de renseignements sur la formation, n'hésitez pas à visiter la page dédiée sur le site de datascientist.com. Je vous mets le lien en description de la vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la liker et de vous abonner à la chaîne YouTube pour être alerté des prochaines vidéos. À très vite peut-être sur l'une de nos formations.